Salut, c'est Bibi sur The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Au sud de la tour du col de Terrel et à l'ouest du village Piaf, il y a un sanctuaire assez bien planqué dans une grotte, dans la grotte de l'ouest du lac Pipiaf. Depuis l'entrée de la grotte, on voit bien la tour du col de Terrel et après quelques pas dans la grotte, on trouvera le sanctuaire. Le sanctuaire est composé d'une seule grande salle et on va catapulter une boule sur deux cibles. Ça va être de loin un des sanctuaires les plus amusants que j'ai fait pour l'instant. Mais on va commencer par récupérer le coffre qui, lui, n'est pas du tout amusant à récupérer puisqu'il est assez galère. On va voir ça. On va commencer par choper le cube ainsi que le bol. D'ailleurs, le bol, il faut le mettre à l'envers. Moi, j'ai mis à l'endroit, mais c'est pas bon. Il faut le mettre à l'envers pour que Link puisse grimper dessus. Et oui, il faut impérativement le bol, sinon avec le cube, on n'est pas assez haut et on ne pourra pas atteindre la plateforme. Puis avec emprise, on fait monter l'ensemble au maximum. Ensuite, on enchaîne avec rétrospective, on grimpe vite dessus et en se mettant au maximum contre le mur et en faisant le sort infiltration, eh bien on devrait pouvoir se projeter sur la plateforme et récupérer le coffre. D'ailleurs, le contenu n'est vraiment pas à la hauteur. Mais bon, au moins on l'a récupéré, c'est toujours ça. Et maintenant, c'est la partie amusante où on catapulte des trucs, ça c'est cool. Pour la première cible, on va coller le bol sur la planche et on va simplement déposer la boule dessus. Hein, faut pas la coller, la boule. Et ensuite, on va prendre le cube, le laisser tomber pour projeter la boule. Et on va voir que j'ai tiré entre guillemets trop fort, j'ai levé trop le cube avant de le laisser tomber. C'est pas la peine d'être au maximum, comme vous voyez. Là, j'étais un petit peu au-dessus. Mais la boule est tout de même retombée sur la cible, c'est validé, on passe à la deuxième. Pour la deuxième, ça va être le même principe, on va juste récupérer la deuxième planche et la coller à la première. Ensuite, on replace le bol, on remet la boule dessus et encore une fois, on reprend le cube en ne le mettant pas au maximum, puisque là, sinon, ça va encore tirer trop fort, pardon. On va le mettre un petit peu en dessous du maximum pour pouvoir choper la cible et se débloquer l'accès à l'hôtel. Donc là, je suis au maximum, je baisse un tout petit peu et je lâche tout. C'est parti! Et maintenant, pour atteindre l'hôtel, c'est au tour de Link de se propulser. Nous voilà arrivés. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres des sanctuaires comme ça, parce qu'il était vraiment très amusant. J'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite un bon jeu et à bientôt. Ciao !